Ah. Suivez-nous, on va vous présenter le vermicompost. Alors Joël, comment fait-on un vermicompost? Alors on utilise les déchets de votre cantine, de toutes les épluchures de légumes, mais aussi du carton, du papier, du marc de café et du crottin de cheval. Quel est le processus du vermicompost? Ici, dans la partie supérieure, le nombre de vers qui colonise et qui est en train de manger tous les détritus pour transformer en du thé vert que l'on appelle une solution qu'on pourra mélanger à 10 fois son volume. Et ensuite, au bout de 3 mois, on va récupérer ce vermicompost pour en faire de l'engrais. Les plantes, on leur apporte ce vermicompost en matière grasse, comme on le voit ici, en volume d'1 sur 4 pour développer la plante.